Alors, bonjour Rémi Filiot, merci de nous accorder cette interview pour l'Histoire populaire. Bonjour. Alors, vous êtes activiste, militant non-violent de la désobéissance civile. Vous travaillez pour un collectif qui s'appelle Les Désobéissants, qui fait des actions, qui organise des actions, mais qui fait aussi de la formation aux actions non-violentes, à l'action directe non-violente. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste la désobéissance civile, quelle est votre vision de la désobéissance civile, et puis quelles sont les actions concrètes que vous menez actuellement? Oui. Donc, la désobéissance civile, ça consiste à désobéir aux lois injustes. Donc, pour faire très court, il y a un certain nombre de lois injustes, notamment, par exemple, hein, pour revenir dans l'actualité un petit peu, le délit de solidarité qui interdit porter secours à des migrants qui seraient en situation irrégulière, par exemple. Pour nous, évidemment, ce délit est injuste. Cette loi qui interdit de porter secours à des gens éventuellement en train de mourir dans les Alpes parce qu'ils sont en train de traverser les Alpes ou en train de se noyer dans la Méditerranée, évidemment, c'est une loi totalement injuste. Et donc, nous sommes, prêts à commettre ce type d'infraction à la loi pour protéger le bien commun et éventuellement sauver des vies. Très bien. Et donc, les désobéissants, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est formé, ce collectif, quelles ont été les rencontres qui se sont faites pour que ça démarre, et puis où vous en êtes aujourd'hui? Oui, donc le collectif des désobéissants, c'est un collectif qui a maintenant 10 ans, donc qui a été fondé en 2007-2008. Et au départ, c'est des militants qui étaient investis au sein de Greenpeace, au sein de la campagne désarmement nucléaire de Greenpeace. Et donc, ils ont fait 2 années d'affilée participer et organiser une action de désobéissance civile contre l'arme nucléaire française dans les Landes. Et cette action consistait à pénétrer sur et à occuper en fait un site militaire où était procédé un tir de missiles nucléaires balistiques français. Donc son nom c'est le M51, dont l'objectif était de pouvoir atteindre la Chine. Ce qui n'était pas le cas des autres missiles balistiques français utilisés par l'armée française auparavant. Et donc la France à l'époque avait signé le traité de non-prolifération nucléaire qui justement interdisait la modernisation des armes nucléaires. Et donc la France ne respectant pas ce traité de non-prolifération nucléaire qu'elle avait pourtant signé, Greenpeace a décidé de mener ses actions de désobéissance civile contre l'arme nucléaire. Et ensuite, Greenpeace s'est désinvesti de cette campagne, et donc les militants ont décidé de créer un autre collectif qui s'appelle les désobéissants, en utilisant les mêmes méthodes de l'action non-violente et de la désobéissance civile que celle utilisée par Greenpeace, et en l'année suivante, en occupant de la même manière cette même base nucléaire pour essayer d'empêcher à nouveau ce tir d'essai du missile M51. Voilà, et donc l'année suivante, nous avons réussi à retarder d'une demi-heure ce tir d'essai du missile M51. Très bien, donc on connaît tous les actions de Greenpeace vis-à-vis des centrales nucléaires par exemple, où ils atterrissent en parapente dans les centrales, ils arrivent à tirer un feu d'artifice ou à projeter des images au petit matin sur les centrales pour expliquer à quel point elles sont dangereuses et à quel point la sécurité est défaillante. Vous, c'est quoi vos types d'intervention? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors nous, on fait des actions de désobéissance civile comme Greenpeace, mais on a moins de moyens. Donc voilà. Par exemple, pour donner un exemple très concret, plusieurs années d'affilée, et ce sera le cas encore en juin, on organise des actions qui visent à perturber, voire à bloquer le salon de l'armement Eurosatory. Donc le salon de l'armement Eurosatory, c'est un des plus gros salons où tous les marchands d'armes, ou presque, du monde sont présents, avec également un certain nombre de pays, y compris des dictatures, qui sont là pour acheter des armes. Et donc nous, évidemment, on trouve que c'est scandaleux. Et depuis plusieurs années, ce salon a lieu tous les 2 ans, nous avons décidé de perturber via des actions de désobéissance civile et via donc l'action non violente également, ce salon donc de l'armement Eurosatory. Donc par exemple, il y a 2 ans, nous avons réussi à pénétrer sur ce salon qui est réservé aux professionnels normalement. Et nous avons réussi à repeindre avec de la peinture rouge
donc la couleur du sang, du matériel d'armement présent sur ce salon destiné à la vente. Voilà. Et donc cette année, à nouveau, en juin, donc prochain, nous allons essayer de perturber ce salon de l'armement, donc à côté de Paris. Et d'ailleurs, bon, on fait un appel pour essayer de recruter un maximum de citoyens qui, comme nous, sont indignés par les ventes d'armes, hein, et le fait que ça puisse se faire au grand jour, même s'ils essaient de se cacher un petit peu, et de venir perturber avec nous ce salon de l'armement Eurosatory. Alors, du coup, c'est pas sans risque éventuellement de mener ce genre d'action. Vous-même, vous êtes en procès actuellement, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on risque quand on rentre sur ce salon et qu'on repeint des tanks en rouge? Qu'est-ce qui se passe après, quoi? Est-ce qu'on se fait arrêter? Est-ce qu'on est violenté? Qu'est-ce que la sécurité, etc. Alors, nous n'avons jamais été poursuivis pour nos actions au sein du salon de l'armement Eurosatory. Malgré le fait que, évidemment, ce ne soit pas autorisé par la loi de mettre de la peinture rouge dans un salon de l'armement, sur des armes qui plus est. Donc la raison, c'est que tout simplement les organisateurs et les marchands d'armes français qui organisent ce salon de l'armement Eurosatory tous les deux ans ne souhaitent pas nous faire plus de publicité en portant plainte contre nous. Et donc nous ne sommes pas poursuivis. Voilà. Donc c'est un risque qui est quand même assez limité. Peut-être que cette année ils décideront de nous poursuivre, mais pour nous ce serait plutôt positif en fait d'être poursuivis et de pouvoir s'expliquer devant un tribunal sur pourquoi est-ce que effectivement on trouve ce salon de l'armement scandaleux et sur est-ce que c'est vraiment grave d'avoir mis un peu de peinture sur un char qui est destiné quand même à tuer des gens, y compris des civils, hein, puisque certains marchands d'armes français font du business avec la Russie, et la Russie c'est quand même le pays qui bombarde et qui massacre en Syrie. Donc on voit que ces moyens d'action peuvent être plus ou moins risqués selon le type. Je crois que vous mènerez du coup au mois de juin devant ce salon une action peut-être un peu plus grand public, où il y aurait entre guillemets un peu moins de risques pour les militants qui voudraient se joindre à l'action et supporter l'action. C'est un day-in devant le salon, c'est quoi un day-in exactement? Tout à fait. Alors il y a plusieurs types d'actions. Des actions en groupe affinitaire, donc des personnes qui se connaissent et qui ont envie d'organiser des actions ensemble. Ça peut être effectivement essayer de rentrer sur le salon pour verser, comme on l'avait déjà fait il y a deux ans, de la peinture rouge sur un matériel d'armement. Donc là, c'est pas public ces actions, puisque le but c'est de réussir à rentrer. Donc voilà. Par contre, il y a aussi deux actions qui sont publiques. Donc effectivement un day-in ça consiste à s'allonger par terre pour symboliser les morts dues à la guerre, hein, donc c'est aussi en hommage aux victimes de ces matériels d'armement qui sont vendus là-bas dans ce salon de l'armement, et donc là c'est un risque effectivement qui est plus limité, même si ça n'est pas autorisé. Probablement on se fera un petit peu pousser dehors, ou en tout cas éloigné par la police. Nos actions étant non violentes, la police se comporte en général de manière non violente également, c'est-à-dire sans violence. Nous n'avons jamais été confrontés à de la violence, en tout cas lors de nos actions, lors du salon de l'armement Eurosatory. Donc il n'y a pas de raison que nous soyons réprimés durement dans la violence cette année. Alors parfois, on le disait tout à l'heure, vous êtes en procès, parfois ça se passe pas aussi bien qu'on le voudrait, on peut se retrouver en procès. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé sur cette action qui t'a conduit au tribunal? Oui. Alors, le procès peut faire partie de la stratégie, hein. Parfois, c'est l'objectif de certaines actions, c'est de passer au tribunal pour parler d'un problème dont on ne débat pas ailleurs, pas à l'Assemblée nationale par exemple. C'est le cas de la publicité par exemple, avec le collectif qui s'appelle les Déboulonneurs, dont l'objectif de chaque action était de passer au tribunal pour pouvoir expliquer « oui, j'ai tagué, j'ai barbouillé ce panneau publicitaire à visage découvert la journée devant des journalistes ». Pourquoi ? Parce que je trouve ça scandaleux qu'on puisse faire de la pub pour de l'alcool, par exemple, à s'en mettre des écoles maternelles, par exemple, ce genre de choses.
Et moi-même, j'ai d'ailleurs été poursuivi et condamné pour des actions avec des déboulonneurs, donc anti-pub. Et effectivement, face au juge, je lui ai expliqué est-ce que lui, peut-être il a des enfants, peut-être il n'a pas envie que ses enfants qui sortent de l'école voient des publicités pour de l'alcool. Et donc, j'ai été condamné en fait très très légèrement en fait à 50 euros d'amende pour cette action de tagage, de barbouillage de panneaux publicitaires. Ce qui veut dire que le juge a été il a entendu en tout cas mes arguments sur le danger que représente la publicité. Et donc là, c'est vraiment le but, le but des actions de désobéissance civile, c'est de passer au tribunal pour en faire une tribune politique et surtout pour faire changer la loi. Donc, puisque les actions des déboulonneurs anti-pub a conduit à une jurisprudence, puisqu'au bout d'un certain nombre d'actions et de condamnations, légères pour la plupart, quelques dizaines ou centaines d'euros d'amende au maximum, un juge a décidé de relaxer les militants en expliquant que en gros ils avaient raison et que c'était même nécessaire de faire ce type d'action, et donc il a décidé de ne pas condamner et de relaxer ces militants. Et donc aujourd'hui il y a une jurisprudence qui peut s'appliquer lors des prochains procès des déboulonneurs. Voilà. C'est le cas aussi pour les faucheurs de chaises qui ont fauché des chaises dont je faisais partie également dans les banques pratiquant l'évasion fiscale, notamment la BNP Paribas. Et il y a eu trois procès bientôt d'ailleurs. Et donc John Palais, qui a été poursuivi en premier, a été relaxé puisque de la même manière, le juge a considéré que c'était nécessaire de voir utile pour la société de commettre ces actions de désobéissance civile, de commettre entre guillemets, face à un délinquant, une banque, qui ne respecte pas la loi. Voilà. Et donc pour revenir sur mes poursuites, mon procès qui aura lieu le 15 juin, nous avons, toujours dans le cadre de cette campagne que mènent les désobéissants contre l'arme nucléaire, notamment l'arme nucléaire française, nous avons occupé et investi de manière non violente, nous avons blessé personne, nous n'avons rien cassé, le local d'En Marche, donc le parti d'Emmanuel Macron, donc c'était en clown, en plus c'était une action humoristique. Le but étant d'offrir un missile nucléaire en carton, enfin en papier, en tissu, à Macron pour le remercier de ne surtout pas avoir signé le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été signé au mois de juillet dernier par 122 États dans le monde. Mais la France s'est comportée comme un État délinquant, comme elle a l'habitude de le faire en ce qui concerne les armes nucléaires, en refusant de signer ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Et donc cette action a eu lieu. Nous sommes fait écarter par la police, ça nous y attendions totalement. Et ensuite, j'ai moi reçu une convocation au commissariat puis au tribunal pour un délit imaginaire de rébellion. Donc c'est ce que fait parfois la police, et ça c'est aussi le sujet des violences policières et des mensonges policiers, on pourrait en parler aussi. Ça arrive à un certain nombre de militants, y compris les manifestants pendant la loi de travail, les manifestants contre la loi de travail. Certains se sont fait accuser à tort d'avoir soi-disant insulté, soi-disant outragé, soi-disant été rebelle. Moi je suis plutôt fier d'être un rebelle face à un état délinquant ou à quelqu'un comme Macron qui veut casser le droit social, etc. La rébellion en termes juridiques, c'est le fait d'être violent envers un policier, ce qui n'est pas notre cas, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'a pas été mon cas en tout cas lors de cette action au siège d'En Marche. Et donc, on a même une vidéo d'ailleurs qui prouve que je n'ai pas été violent et que c'est plutôt un policier qui a été un petit peu violent envers moi en me jetant au sol de manière un petit peu brutale. Voilà. Et donc, le procès aura lieu le 15 juin, on espère. En tout cas, moi j'ai bon espoir que la justice fasse son travail sérieusement et n'obéissent pas au doigt et à l'œil à ce policier qui en fait en réalité veut récupérer un petit peu d'argent, quelques dommages intérêts pour pouvoir partir en vacances comme c'est le cas régulièrement malheureusement. Donc rendez-vous le 15 juin, j'imagine que c'est au palais de justice de Paris. Tout à fait, le palais de justice de Paris qui va déménager, donc qui sera plus sur l'île de la Cité mais qui sera vers place de Porte de Clichy il me semble. D'accord. Tous ceux qui nous regardent, rendez-vous le 15 juin si vous êtes disponible pour venir soutenir Rémi contre les violences policières. Alors, tu as parlé un peu des clowns activistes, ça fait partie en fait des différents modes d'action pour lesquels vous faites des formations. Les gens qui ont envie d'apprendre à ce type de mode d'action, est-ce que
que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites en termes de formation de manière générale? Oui, donc effectivement, les désobéissants, ce que nous faisons, c'est accompagner les luttes progressistes et les luttes non violentes. Et donc via des soutiens aussi stratégiques hein, sur des militants qui souhaitent s'investir, par exemple contre la guerre, hein, pour dénoncer tel marchand d'armes français ou ce genre de choses, mais également des formations. Donc à la désobéissance civile, nous avons plusieurs types de formations effectivement. Le premier type de formation, c'est nous en menons une par mois environ ici à Lille-Saint-Denis. C'est la formation de type 1 de base, on va dire, à la désobéissance civile. Donc en gros, c'est comment organiser une action de désobéissance civile type Greenpeace ou type ce que nous faisons également, ce que font d'autres organisations de plus en plus d'ailleurs maintenant, sur eh bien, quelles erreurs à ne pas commettre, également les rôles, les tâches pendant l'action. Donc par exemple, c'est impératif pour nous qu'il y ait des gens qui soient là pour filmer l'action, pour pouvoir témoigner en cas de mensonge de la police par exemple, ou en cas de violence policière, pouvoir porter plainte contre la police par exemple. Voilà, le rôle du média activiste, de l'activiste vidéo est primordial. Voilà, c'est ce type de choses qu'on apprend durant nos formations. Il y a évidemment une grosse partie juridique hein, sur comment ça va se passer, ça peut se passer avec la police. Comment ça peut se passer au sein d'un commissariat quand on se retrouve face à un policier également. Il y a des choses à éviter de dire, bien entendu. En fait, moi, on en dit mieux, c'est concrètement. Et à part notre identité, on assume ce qu'on fait, donc on donne notre identité. Mais par contre, le reste, en gros, on dit « je n'ai rien à déclarer ». En gros, c'est ce qu'on on refuse de répondre aux questions. C'est un droit, en fait, au silence qui s'applique. Et les policiers le savent, mais en général, ça ne nous est jamais rappelé au début de notre interrogatoire. Voilà. Et donc, c'est tout ce type de choses qui peuvent être quand même assez utiles, voire très utiles, pour un certain nombre de militants qui souhaitent s'investir dans un certain nombre de luttes pour le bien commun. Très bien. Alors, j'aimerais qu'il me parle un peu que j'essaie de vous voyer parce que on vous voit les autres dans les interviews. Je vais pas parler du clown d'ailleurs, mais. Voilà, justement, j'aimerais que vous puissiez détailler un peu plus ce que c'est que le clown activisme et la méthode Alinsky notamment. Ouais. Alors, donc le clown activisme, c'est une forme d'action de désobéissance qui est pratiqué en clown. Donc tout le monde voit ce que c'est qu'un clown, je pense. Et ça a été développé au Royaume-Uni, notamment à Londres, lors des luttes contre l'extension de l'aéroport d'Heathrow, à l'époque, à côté de Londres. D'ailleurs, lutte qui a été victorieuse, comme celle de Notre-Dame-des-Landes d'ailleurs. C'est la preuve que de lutter, eh bien, ça fonctionne. Et donc, effectivement, ces activistes anglais ont utilisé le clown activisme, donc la méthode de l'humour, la méthode du clown, pour aussi singer un petit peu et perturber en fait l'action de la police. Donc, en gros, c'est un activiste qui s'appelle John Jordan, qui est à l'origine du clownistan et de l'armée des clowns, en fait. Et aujourd'hui, eh bien, compris en France et dans le monde entier, de nombreux clowns ont rejoint cette armée des clowns. En gros, il y a évidemment un côté absurde, c'est vraiment jouer sur l'absurde, à fond sur l'absurde, à fond sur l'humour, à fond sur le décalage aussi entre l'armée des clowns et l'armée réelle, les armées du monde qui massacrent un petit peu à droite et à gauche, sur les polices qui également violentent les peuples à droite et à gauche, y compris en France. Et donc, le clown activisme, c'est réellement pour jouer de l'absurde sur l'absurde de la répression, en fait, des armées, des policiers qui vont réprimer à tout va. Voilà. Et alors la méthode Alinsky ? La méthode Alinsky, c'est Saul Alinsky, c'est un activiste états-unien dans les années 60 jusque dans les années 80 qui accompagnait les luttes des habitants des quartiers populaires, des ghettos aux États-Unis. Et donc sur des choses touchant à la vie quotidienne, donc des choses très pratiques comme par exemple un ascenseur qui n'est pas réparé dans un immeuble depuis des années ou des bâtiments, des locaux, des appartements qui sont insalubres depuis des années. Comment agir face à cela? Eh bien, Alinsky a accompagné justement les habitants de ces quartiers qui étaient vraiment laissés pour compte hein, par tout le monde et
pour, eh bien, par exemple, aller faire des actions aussi utilisant l'humour chez les bailleurs sociaux ou chez les propriétaires de ces logements insalubres, pour, eh bien, souvent c'était efficace, pour obtenir, eh bien, des choses très concrètes, hein, la réparation de l'ascenseur, la rénovation de tel ou tel logement, etc. Et donc, cette méthode Alieski qui vient des États-Unis au départ, commence à être importée en France maintenant, et notamment à Grenoble, il y a un mouvement qui s'appelle l'Alliance citoyenne, qui fait des choses vraiment géniales dont on ne parle pas forcément trop dans les médias pour accompagner les luttes notamment pour améliorer les conditions de travail des, notamment de femmes de ménage en fait. Ça, ils ont commencé comme ça il me semble à Grenoble et ils ont obtenu de nombreuses victoires sur l'amélioration des conditions de travail de ces femmes de ménage. Également, ils accompagnent les luttes de travailleurs en Afrique qui se font exploiter par l'entreprise Bolloré. Ils ont d'ailleurs été poursuivis au tribunal parce que ils dénonçaient à juste titre l'exploitation et le quasi-esclavagisme de l'entreprise Bolloré en Afrique. J'espère que tu n'auras pas de procès avec ce que je viens de dire, sinon on te soutiendra. Et en tout cas, tout ça est tout à fait prouvable et voilà, le procès n'a pas eu, il y a eu lieu il y a peu de temps. On espère que le juge sera compréhensif de ces personnes en Afrique qui se font exploiter par M. Bolloré. Il me semble qu'il y a eu un cache d'investigation aussi sur le sujet et qu'ils ont été aussi sous la menace d'une plainte pour diffamation. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle globalement les procédures Bayon. Hein. Oui. Il n'y a pas longtemps qu'il vient de gagner son procès contre Apple, qui essayait de les empêcher de manifester devant les locaux, les différents magasins. Donc c'est quelque chose qui se généralise. Quoi. On essaye de décourager les manifestants pour éviter qu'ils continuent leurs actions. Tout à fait. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps, heureusement. Ça ne fonctionne pas tout le temps, heureusement. Et puis voilà, il faut résister. Et puis parfois aller en procès, comme vous le disiez, ça nous permet de rendre public tout ce genre de mécanisme. C'est l'intérêt d'une démocratie comme la France, qui est certes vraiment imparfaite, mais les juges sont quand même pour la plupart indépendants et donc refusent régulièrement de jouer le jeu du pouvoir ou des multinationales. On est encore dans un état de droit, même si, alors justement, ça me fait une belle transition avec la suite. J'imagine que vous avez suivi chez les désobéissants tout ce qui s'est passé suite à la menace d'attentat, aux différents attentats et au renforcement, encore une fois, à travers les lois sécuritaires, des pouvoirs de la police et l'amoindrissement de la justice, notamment, donc l'amoindrissement de cet état de droit, avec notamment les procédures de surveillance sans passer par un juge, avec les fichiers S, les assignations à résidence, etc. Donc, est-ce que vous avez été touché par ça directement chez les obéissants, dans vos réseaux d'activistes, et comment faire pour éviter que ça empire encore? Alors oui, nous avons été touchés directement par l'état d'urgence, puisque cet état d'urgence a été déclaré, donc c'était fin 2015, et que c'était une quinzaine de jours plus tard, avait lieu la COP21, donc la conférence sur le climat de l'ONU à Paris, et que des manifestations étaient prévues à cette occasion pour, à juste titre, créer un rapport de force sur les gouvernants qui souhaitent faire de l'argent, engraisser les multinationales du pétrole ou du charbon, mais certainement pas sauver la planète et l'humanité qui va avec. Et donc, nous trouvions légitime de manifester, évidemment, et ces manifestations, notamment celle du 29 novembre 2015, il me semble, a été interdite par le pouvoir Hollande à l'époque, sous prétexte que cela représentait un danger. Donc nous avons décidé de désobéir à Hollande et nous avons décidé de maintenir cette manifestation le 29 novembre. Et donc ça a été le cas, nous avons en tout cas essayé de manifester place de la République le 29 novembre 2015. Et là il y a eu une répression qui a été importante, puisqu'il y a eu plus de 200 arrestations, il me semble, 200 personnes qui ont été placées en garde à vue, uniquement pour avoir manifesté en fait. Donc évidemment c'était un scandale, réellement ça fait scandale à l'époque, et surtout ça a dissuadé Hollande d'interdire les manifestations qui ont suivi. Et donc l'état d'urgence certes subsistait, mais il y a eu quand même de nombreuses manifestations qui ont été autorisées, notamment les manifestations contre la loi travail. Certaines ont été interdites, mais la plupart ont été autorisées malgré l'existence de cet état d'urgence.
Et donc, c'est vraiment l'importance de la désobéissance à un moment donné, de dire, eh bien, la manifestation est interdite, je manifeste quand même, de manière non violente, bien sûr, parce que la violence sert de prétexte à la répression, hein, et souvent, suite à des. Ça s'est passé aussi pendant le moment sur la loi travail, hein, suite à des choses violentes qui se sont produites, alors on ne sait pas si c'était des policiers déguisés, hein, c'est possible aussi, ça arrive même régulièrement, eh bien, en tout cas, ça a servi de prétexte à l'État pour interdire des manifestations, pour dire, regardez, c'est des casseurs, c'est des voyous, on interdit les manifestations et on a raison de passer en force sur la loi travail, par exemple. Alors, j'ai quasiment épuisé toutes mes questions, il m'en reste deux qui sont plus politiques. Donc, il y en a une sur la notion de transition. C'est une notion qui est un peu à la mode, donc transition écologique, transition énergétique, transition démocratique éventuellement, transition économique. Changer de système, qu'est-ce que tu penses de cette notion et qu'est-ce que ça t'évoque? Le terme de transition, pour nous accompagnons la transition, comme d'autres organisations, hein, de nombreuses organisations et de nombreux citoyens aujourd'hui sont investis dans la transition. Et donc ça fait chaud au cœur, hein, justement, de se dire qu'on est quand même en train de changer le système actuellement, nous et avec de nombreuses personnes qui aujourd'hui ont pris conscience des problématiques sociales, des problématiques environnementales, des problématiques aussi de vente d'armes, par exemple, par la France, qui est quand même un des premiers marchands d'armes au monde. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et qui souhaite donc désobéir ou boycotter aussi certains produits. Hein, on a aussi participé à la campagne BDS, donc boycott des investissements sanctions, qui vise au boycott des produits issus des crimes de l'armée d'Israël en Palestine. Hein, la torture des enfants, par exemple, ce genre de choses. Nous n'avons pas du tout l'intention d'acheter des produits de la marque Meadrin, par exemple, cette marque israélienne qui profite et s'engraisse sur ces crimes de l'armée israélienne. Et donc, nous avons participé à des actions de boycott de ces produits israéliens qui, d'ailleurs, sont vendus dans l'illégalité pour la plupart, puisque les produits issus de crimes de colonisation, notamment, sont interdits à la vente, en tout cas en ce qui concerne en vertu du droit international. Ils sont vendus en France malgré tout. Et en plus, depuis peu de temps, depuis un an quand même, maintenant, une loi oblige à l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes en Palestine. Et donc, absolument aucun supermarché, aucune enseigne en France ne respecte ce droit. Et donc, c'est ce que nous sommes allés demander à un magasin Lidl en région parisienne, tout simplement le fait qu'il respecte le droit. Hein, la désobéissance civile, c'est pas toujours enfreindre le droit, c'est aussi demander le respect du droit. Donc, c'est ce que nous avons fait. Voilà, et donc le but, c'est la transition, c'est aussi le boycott, effectivement. Alors, j'ai une dernière question. Après, on peut continuer à échanger un petit peu. Mais du coup, on a compris que la désobéissance, c'était un moyen d'émancipation, un moyen aussi de lutter contre les lois qui sont injustes, de faire respecter certaines lois qui ne sont pas appliquées quand elles sont justes. Et alors, est-ce que, au-delà de l'action et de la désobéissance civile, est-ce que tu as un point de vue politique, une idéologie ou des convictions simplement politiques Alors, moi je suis encarté dans aucun mouvement politique. Par contre, voilà, je respecte ceux qui le font ou ceux qui ne le font pas d'ailleurs et qui essayent de faire changer le monde, les choses dans un parti politique ou en dehors d'un parti politique. Nous, on se bat pour le bien commun. Donc le bien commun, c'est quelque chose qui est très large, qui effectivement va au-delà des partis politiques. Et le bien commun, ça va des droits humains, le féminisme, les droits sociaux, le droit des animaux, énormément de choses en fait, hein, l'écologie bien sûr, boycotter les criminels, les actions contre les marchands d'armes, lutter contre la guerre et ceux qui en profitent, etc., etc. Et alors, si on veut vous retrouver, vous avez un site internet? On a un site internet donc, qui s'appelle désobéir.net. Et donc, on peut retrouver toute l'information, les formations et les actions. Ouais. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux aussi. Hein. On a une page Facebook qui s'appelle Désobéissant. Et il y a un site internet aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup, Rémi Filio, pour cette interview.